Donc ce soir, j'ai un gros défi à relever. Le mastermind, c'est Baron Helmut Zemo. Lui, pour chaque vilain que j'ai battu dans ma partie, il y a moins un d'attaque. Et puis, sa strike, c'est que je dois KO'er un de mes vilains que j'ai battu tout là. Donc, il va remonter, il va se refaire de la santé un peu en faisant ses strikes. Et puis, la scheme twist, c'est chaque vilain et le mastermind gagnent Fateful Resurrection. C'est-à-dire, après les avoir battus, je vais révéler la carte du dessus du deck de vilain. Et puis, s'il se trouve que c'est une master strike ou une scheme twist, il rentre une seconde fois dans la ville. Et puis à chaque twist qui va sortir, je prends un des vilains que j'ai dans ma Victory Pearl et ce vilain-là entre dans la ville. Et s'il y a trois vilains sortis de la ville, je perds. Donc voilà. Mes héros à l'intérieur du deck de héros, ce sont Steve Rogers, the Director of S.H.I.E.L.D. J'ai aussi Green Goblin et puis Bullseye. J'ai Deadpool Secret Wars aussi comme vilain. Et puis il y a des Sentinelles comme henchmen. Voilà. Les 6 premières cartes et c'est parti. Howard the Duck. J'ai 3 d'attaque, 3 d'achat. Je vais aller chercher. Maria Hill. La prochaine main, ça va être la même chose. Une scheme twist. Je prends un des vilains de la scheme. Un des vilains que j'ai battu et il rentre dans la ville, il n'y en a pas, mais je remets la scheme dans le fond du paquet. Et puis je vais refaire exactement. Ah non, j'ai 5 ici. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant vraiment à 5 à utiliser? Ou bien. Je vais aller chercher elle. Puis on va bien voir ce que le reste va me donner. Et puis je vais aller chercher une autre Maria Hill. Je veux du pouvoir d'achat parce qu'à un moment donné, il va y avoir des grosses cartes. Et puis ces grosses cartes-là sont essentielles à ma victoire. Donc si je peux tomber sur la grosse carte de Bullseye, ce serait bien intéressant. Pour la carte Scheme Twist, je devais KO une carte. Ça va être celle-ci. Voilà. Je révèle une autre Scheme Twist qui s'en va en dessous du paquet. Je peux KO une carte. Ça va être celle-ci. Je l'ai KO pas, en fait, je l'ai mis en dessous du deck. Comme ça. J'ai 1 d'attaque et 6 d'achat. Avec mon 6 d'achat, je vais tout de suite essayer d'aller chercher des cartes qui frappent fort. Je vais aller chercher Bullseye qui frappe de 3. Frappe de 3 tout le temps, c'est toujours bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pink Sphinx. Même scénario, j'ai 6 d'achat, 1 d'attaque. Je vais chercher l'autre Bullseye qui frappe de 3. Je vais en profiter. Voilà. 1, 2, 3. Comme ça. Cette Bullseye-là, puisque je n'ai pas encore de vilain dans ma pile de victoire, elle me sert à rien. Parce que ça me donne plus une étoile pour chaque vilain d'un groupe que je possède. Et puis j'ai aucun vilain. Donc je vais la dodger. Donc dodge, ça veut dire que je la défausse et puis je la remplace. J'ai 4 d'achat et 3 d'attaque. 3, c'est pas assez pour battre quiconque. Mais j'ai 4 d'achat. Je vais commencer à m'équiper avec mes Pumpkin Bomb de Green Goblin. Qui m'ont bien servi. Jadis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore. On tourne une carte.
une autre Scheme Twist. La troisième Scheme Twist, je ne me trompe pas. Donc les trois dernières cartes du paquet, ce sont des Scheme Twist. C'est bon à savoir. J'ai ici 4 d'attaque que je vais utiliser pour Pink Sphinx. Je dois révéler la top card ici. Si c'est un Scheme Twist ou une Master Strike, elle va rentrer une autre fois dans la ville. Puis est-ce que j'ai Spectrum? J'ai pas Spectrum, j'ai pas 3 classes différentes. C'est une Scheme Twist, donc il n'y a rien qui se passe. On va rester là. Mais là au moins je sais que les 3 Scheme Twist, les 4 Scheme Twist vont être en dessous du paquet. Et j'ai 5 pour acheter. Avec un 5, je vais aller chercher celle-ci. Qui va me permettre d'éventuellement KO'er des cartes. Et aller chercher des bystanders pour devenir savior. Et ça, ça va être bien intéressant plus tard. Une autre identique. Et puis je peux KO'er une carte. Ça va être celle-là. Ok. La dernière Scheme Twist qui s'en va en dessous du paquet, je peux KO'er une carte. Ça va être celle-ci. Légèrement dessus. J'ai 6 d'achat et 3 d'attaque. Avec mon 3 d'attaque, je peux rien faire. Par contre, avec mon 6 d'achat, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Je vais aller chercher les deux pumpkins qui sont là. Ils vont très grandement m'aider. Voilà. 3 d'attaque ne me sert à rien pour l'instant. Mais éventuellement, ça va être bon. 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle, c'est une sentinelle. Je vais dodger cette carte. Puisque j'ai dodgé, j'ai 2 d'attaque ici supplémentaires. Je vais les utiliser pour aller tuer la sentinelle. Et puis je révèle quelque chose d'autre qu'un Scheme Twist ou Master Strike. Je peux la tuer. Et puis je peux KO'er un de mes héros. Ça va être lui. J'ai maintenant 5 d'achat. Avec mon 5 d'achat, je vais aller chercher Green Goblin là avec un Sidekick. Zemo a moins 1 d'attaque puisque j'ai un vilain dans ma pile de victoire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle ici. C'est Deadpool. Lui, il a plus 5 d'attaque à moins que je révèle une carte qui m'a coûté 5. Donc, on verra dans le temps. Dans le temps. Ah, je peux même en finir tout de suite avec lui. J'ai 1, 2, je révèle un héros de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9. Donc je vais aller tuer Deadpool. En fait, je vais révéler la top card ici. C'est une Master Strike, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est vraiment pas le fun. J'ai juste de l'attaque. Puis j'ai pas 15. Ok, donc je vais jouer dans le désordre. Je vais les rejouer. Quoique là, j'ai déjà joué mes cartes. Je vais pas tricher. Donc, c'est un tour perdu. J'aurais dû être plus vigilant. Donc, c'est une Master Strike ici. La Master Strike me demande que je KO un de mes vilains. Comme ça. Donc, lui, il remonte à 16. Ce qui n'est pas une bonne chose. En fait, l'important, c'est que chaque Master Strike, je puisse KO'er un vilain. Ça va m'aider à rester en vie. Bon, j'ai 3 d'attaque, 3 d'achat. Avec mon 3 d'achat, je vais aller chercher Steve Rogers ici. Qui va me donner de l'attaque jusqu'à ce que je devienne Savior. Et avec mon 3 d'attaque, j'ai rien à faire. De tout ça. Je révèle Howard the Duck qui souhaite que je le frappe de 8. Ok.
Ici, je peux révéler le top 3 cartes de mon deck, et puis je pioche une, et puis je remets les autres dans l'ordre que je souhaite. Donc, est-ce que je veux de l'achat, ce tour-là, ou je veux de l'attaque? Je vais regarder ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 pour attaquer. Est-ce que je veux 8? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça fait une différence? C'est sûr que... Ah, puis Howard, il capture un bystander en plus. Ça, ça peut faire une différence. Ça, c'est en ambush, j'ai oublié de le faire. Donc ça, ça peut faire une différence pour moi. Je vais aller chercher l'attaque comme ça. Parce que les bystanders, je les veux. Donc, je vais faire 1, 2, 2 d'achat. Mon Steve Rogers ici, il me donne 2 d'attaque. Et puis, je peux KO'er une carte de que j'ai joué ce tour-là. Donc, j'ai 1, 2, Maria Hill. Je vais aller chercher... Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais KO'er Maria Hill. Ça fait 8. Je m'en vais essayer. Je vais m'essayer pour Howard the Duck. J'espère que c'est pas Master Strike. Et non, c'est dupe. Pas de problème. Je vais prendre lui. J'ai sauvé un bystander. Et un vilain. Donc, Zemo a moins 1. Ça, ça s'en va dans ma pile de défausse. Puis je sais que ce sidekick-là, normalement, le sidekick, je suis supposé le remettre en dessous de la pile de sidekick. Sauf que je sais que ce sidekick-là ne reviendra pas dans la partie. Fait que je le KO. C'est pas trop un problème. Ok. Je révèle une carte. C'est Dupe qui veut pas se faire attaquer tant et si longtemps qu'il est adjacent à un autre vilain. Donc Dupe vient de rentrer dans la ville. Et voici la main. Je vais défausser. Je vais faire dodge avec Bullseye ici. Pioche une carte. Ce qui va donner plus 2 et plus 2 à mes deux Green Goblins ici. Donc je suis rendu à 6. 7, 8, 9 avec Bullseye. Donc je vais attaquer Howard the Duck. Je vais attaquer Howard the Duck. Non, je vais en profiter pour tuer Deadpool. Je vais révéler ma carte. Si c'est une donc Faithful Resurrection, si c'est une Scheme Twist ou Master Strike, Deadpool y rentre dans la ville. C'est une sentinelle, donc Deadpool est parti. Et puis, dans le fond, il y avait juste 5 parce que j'avais... puisqu'il y a Fifth Circle of Kung Fu, si je révèle une carte de 5 ou plus, il n'y a pas son bonus de 5. Donc, il y avait juste 5 ici. Donc, voilà. J'utilisais les 5 qui sont là pour le tuer. Donc, Zemo est rendu à moins 2. Il me reste 4 à utiliser. Je vais aller en profiter pour aller tuer lui. Je monte ma carte. C'est un autre comme ça. Voilà. Et puis, je peux KO'er une carte. Non, j'ai pas Spectrum, donc c'est pas possible. Par contre, j'ai 3 pour acheter. Je vais aller chercher une Maria Hill. Comme ça. 2. Et puis je sors la sentinelle. Voyons voir ce que j'ai ici. J'ai 4 pour acheter et puis
Je suis en mesure de dire que Howard the Duck, par contre, il y a moins 3 parce que j'ai. Le pouvoir de Bullseye, c'est que j'ai choisi un groupe de vilains dans ma Victory Pile. Et puis, je compte le nombre de vilains qu'il y a, que j'ai dans ma Victory Pile. Et puis, un autre vilain de la même, du même groupe a moins. Un négatif autant que le nombre de vilains que j'ai. Donc, c'est 3. Donc, Howard the Duck, normalement, il est. Il est 8, 8 moins 3, 5. Donc, ça sera pas assez pour le battre. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais dodger mon pumpkin. Je vais dodger mon autre pumpkin. Comme ça. Et puis, j'ai 4 ici, finalement. Je vais aller tuer la sentinelle, je vais révéler ma carte. C'est une Master Strike, la sentinelle revient en jeu. Par contre, j'ai le droit de KO une carte. Je vais KO cette carte-là. Et puis, avec mon 4 ici, je vais aller chercher Man Out of Time. Shadow of Wars Past. Comme ça. 3, 4, 5, 6. Je sors une Master Strike. Je dois KO un de mes. Je vais KO ce monstre-là. Donc, Zemo regagne une vie. Je vais jouer mes 3 shields. Je vais jouer ici Steve Rogers. Si j'ai joué 3 shields avant, je peux KO un shield. Ce que je vais faire pour sauver un bystander. Et quand je sauve lui, je pioche une carte. Mon objectif là-dedans, c'est de devenir savior le plus rapidement possible. Donc, j'ai pioché une Maria Hill. Comme ça. Et puis, je vais dodger cette carte-là. Je m'en sers beaucoup pour dodger parce que dans le fond, ça aurait pu m'être utile ce coup-là. J'aurais pu avoir 2, mais bon. J'aime mieux attaquer de 3 de plus. Donc, le fait que c'est complètement inutile parce que dans le fond, j'ai rien à 5 à tuer. Dans mon... Je vais en fait un move niaise aussi. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour acheter. Je vais utiliser Unstable Kidnapper. Il donne 3 d'attaque, 3 d'achat, c'est-à-dire, puis il me permet d'aller chercher un bystander si j'ai défaussé une autre carte. Et puis, j'ai. 5. J'ai 5 d'attaque. Et puis je vais aller tenter de tuer la sentinelle. Donc je révèle la top card ici. C'est réussi. Comme ça. Et puis je peux KO une carte. Voilà. À cause de la sentinelle. Mon tour est terminé. 3, 4, 5, 6. C'est un bystander. Donc, le bystander vient de rentrer dans la ville. Voici ce que j'ai ce tour-ci. Quand même beaucoup d'attaques. J'espère être capable de frapper Zemo. Il faut que je fasse 13. J'ai comme le feeling que ça n'arrivera pas. Je suis pas encore savior. Mais j'ai 3 ici. Et puis je peux dire que Howard the Duck peut avoir moins 2. Ici, 3, 4. Mon Capitaine America me donne 3 d'achat. J'ai 4 d'achat. Puis j'ai 6 d'attaque. Avec mon 3 d'achat, je vais aller chercher une autre Capitaine America. Un autre, c'est-à-dire Steve Rogers. Et puis avec mon 3, 4, 5, 6. Avec mon 6 d'attaque, il n'y a rien que je peux faire. J'ai pas 8 pour aller attaquer lui. Ah, quoique lui a moins 2. Donc j'ai 3, lui a moins 2. Donc 3, 4, 5, 6. Je vais aller tuer Howard the Duck. Je révèle. Ce n'est pas une Master Strike.
Ça, c'est intéressant parce que là, maintenant, je suis Savior. Et puis, quand je sauve ce bystander, je peux KO'er une carte de ma KO pair. Ce que je vais faire avec grand plaisir. Comme ça. Là, Dope est tout seul. J'ai encore joué mes cartes dans le mauvais ordre. Si j'avais été plus vigilant, j'aurais pu jouer celle-là. Et puis, puisque je devenais Savior à ce tour-là, j'aurais pu avoir le plus 3 pour attaquer. Et puis, j'aurais tué Dope aussi. Mais comme on apprend de ses erreurs, on essaie d'apprendre de nos erreurs. Quatre, cinq, six. Je révèle. C'est Pink Sphinx. Voilà, voilà, voilà. Bon, là, je suis Savior. Donc, j'ai Man Out of Time. Ça veut dire que je pourrais mettre cette carte-là de côté pour qu'elle vienne dans ma prochaine main. Est-ce que ça vaut la peine? J'ai 4 d'achat. J'aurais ici 3 d'achat. Et 3 d'attaque, puisque je révèle 3 classes de héros différents. J'aurais 3, 4, 5, 6 d'attaque. Non, je pense que je vais le faire immédiatement, parce que ça va me permettre de tuer les deux. Donc, je vais rester comme ça. Je vais tuer Pink Sphinx. Je le tue. J'ai Spectrum, parce que j'ai 3, je révèle 3 cartes différentes. Je vais KO'er un de mes héros. Comme ça. Il me reste 2. Je vais aller tuer Dope. J'ai un autre agent. Je peux avoir un. En fait, je dois aller prendre une Maria Hill. Et puis là, Zemo est rendu à moins 5. Là. Je sais que mes Scheme Twists, les 4 Scheme Twists sont en bas. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 6 tours avant de commencer à faire rentrer officiellement les monstres dans le jeu. Ok, ici. Bon, celle-là est moins intéressante. Par contre, je peux acheter beaucoup. Je vais dire ça ici. Je faisais un groupe d'adversaires. Je vais dire les Deadpool Secret Wars. J'en ai 5. Donc, je gagne 5 points d'achat. J'en profite parce qu'ils vont sortir bientôt. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Je joue un shield ici pour un d'attaque. Et puis si j'ai joué 3 shields, je peux KO'er un shield pour rescue un bystander. Je commence par acheter. J'ai 11. Je vais aller chercher le Savior Man Out of War. Je vais aller chercher l'autre. Je faisais 8. Et puis 9, 10, 11. Puisque je suis rendu Savior, c'est rendu quand même très bon. Comme ça. Et puis, ça c'est mes 11 points d'achat. Et puis j'ai 3 d'attaque. Et puis ça va absolument rien ce tour-là. Puisqu'il faut que je batte Zemo. Qui est à 11. Mais ça s'en vient. 3, 4, 5, 6. C'est une sentinelle. Est-ce que je réussis à battre Zemo ce coup-là? Je peux pas défausser de carte. En fait, il faut que je le fasse. Je dodge ici. Ça veut dire que lui vaut 3. Donc je dodge, je remplace. 3, 4, 5, 6. Je suis Savior. Donc je monte 3 cartes. Donc j'ai 3 d'achat et 3 d'attaque. Plus 2, bon, ça fait 3, ça fait 3, 6, 9, 11. Et Zemut est à 11. Je dois révéler une carte ici parce que lui aussi est
Lui aussi a le pouvoir de revenir, là. Parce que c'est tous les vilains et tous les mastermind ont Fateful Resurrection. Je révèle, c'est une Master Strike. Très dommage. Donc, mon coup est vraiment raté. Sauf que j'avais une chance de le battre ce tour-là. Et là, je sais. Et là, je sais. Que Zemo. Ah, j'ai 4 d'achat. Je vais aller chercher la dodge ici. Je sais que là, ce qui s'en vient, c'est une Master Strike. Et puis là, il va être un plus à battre. Mais, c'est pas si grave. Une, deux, trois, quatre. Donc, Master Strike. J'ai un de mes héros que je dois KO'er. Ça va être Howard the Duck. Comme ça. Donc lui, attends, juste moins 4, il est à 12. Hey, j'ai beaucoup d'attaques à mon tour. Si j'ai discarté une carte à mon tour, j'ai rien à discarter, donc j'ai pas le choix. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais avoir 9 points d'attaque. Mais ce que je vais faire, je pense que je vais faire Man Out of Time. Je vais me garder cette carte-là pour tantôt. Et puis, je vais dodger elle. Pour voir ce qui se passe. Je vais dodger encore. Et puis j'ai 3. Je vais essayer de tuer la sentinelle. C'est du dupe. Elle sort. Comme ça. Je peux tuer un héros. Et puis j'ai un autre 3 ici qui ne me sert à rien. Mais lui, Zimit. Ah, oh, moins 1 encore. Donc je me suis gardé une 2. Peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire. Mais en tout cas, je les ai achetés, mais Man Out of Time. Hein. Donc, il faut que je les mette de côté. Donc, mon Man Out of Time revient à ma main. Une grosse main d'achat, c'est vraiment pas bon. Je vais dodger ça. Pêcher une carte. Je vais dodger celle-là. Pêcher une autre carte. Bon, celui-là a plus 2. Ça commence bien. Ensuite, lui, j'ai plus étoiles pour chaque classe de héros que j'ai. J'ai 4 classes de héros. Je vais donc avoir 4 d'achat et 4 d'attaque avec lui. Je vais jouer tout mon achat ici. J'ai un Mana of Time là. Et puis j'ai Steve Rogers qui va me permettre de faire du ménage un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si je joue mon Man Out of Time. Mon Shadow of Wars Past. J'ai 11. Donc là, il faut que je frappe Baron Zemo. Je révèle, c'est une dupe. Non, ça veut dire que j'ai pas joué ma carte au début, c'était dupe tantôt. Donc, je révèle, c'est une Pink Sphinx. Je tue Zemo une fois. J'ai fait encore 3 fois. Chaque joueur révèle sa main et chaque joueur qui révèle un Avenger gagne une blessure. J'ai pas d'Avenger. Bye bye. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. Je vais aller chercher Green Goblin ici. C'est pas un gros problème parce qu'ils ont dodge. Hein, donc je peux les remplacer dans ma main si s'il vient de besoin. Donc, j'étais capable de le faire une fois. Mais là, ça vient crucial, mon affaire. Ah, puis j'avais la possibilité de KO'er un de mes héros et sauver un bystander. Je vais KO'er lui, je vais sauver un bystander. Quand je sauve ce bystander, j'en sauve un autre. Il y a Shapeshifter Copycat qui rentre en jeu. Niveau 3.
Voilà. Puis Barros Zemo a moins 6. J'ai oublié qu'il y avait deux sentinelles. Donc, voilà. On continue. On dirait que je pourrais pas le finir. Faudrait que je le frappe deux fois dans le même tour. Je révèle une carte, c'est Pink Sphinx. Parce que là, il me reste ici, là, j'ai mes 4 Scheme Twists en dessous. Et quand je suis rendu là, je peux plus le tuer. Puisque Barros Zemo, il revient tout le temps. Et puis, il doit avoir au moins une Master Strike là-dedans. Donc, en fait, ce sont deux Master Strikes si mon calcul est bon. Je pense que ma partie est pas mal terminée. Je vais quand même la jouer au total. La terminer. Je vais faire Dodge pour ça ici. Je vais jouer elle. Que deux d'attaque de plus. Je révèle trois classes de héros. Donc j'ai trois d'achat. J'ai trois d'achat et trois d'attaque sur chacune. Comme ça. Donc, trois d'achat. J'ai un 2 d'achat supplémentaire et puis j'ai un 3 d'attaque ici. Donc j'ai combien d'attaques? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis Baron Zemo, il est moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est 10. Donc je peux le frapper, mais je montre une Master Strike. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc j'ai les Master Strike puis j'ai les Scheme Twist qui restent. Donc, puisque à cause de la Scheme Twist, à cause de Faithful Resurrection, je suis plus en mesure de battre le Mastermind ni de battre aucun vilain. Donc, j'ai pas été assez vite pour tuer Baron Zemo, par contre. C'est ça qui met fin à la partie. C'est dommage parce que je trouvais que le deck s'en venait pas mal bien. Je commençais à avoir des grosses cartes assez régulièrement. Mais le mélange Scheme Twist et Baron Zemo, c'est un mélange très très difficile à gagner. Je vais, comme d'habitude, je vais garder le scénario en tête, puis je le réessayerai une autre fois.